Bonjour à tous et bienvenue sur DigiWebTV. Et oui, et ce soir, soirée horreur en compagnie de moi-même, Unerva. Bienvenue à tous, bonne soirée. J'espère que vous avez passé une agréable journée et que vous êtes prêts à partir dans cette petite univers avec moi. Et on va jouer à Amnesia, The Dark Descent. J'ai télécharger un mode, donc je crois que c'est un mode qui est assez connu. Moi je connais pas du tout les modes de jeu. Je vous avoue que j'ai pris le plus connu, le plus téléchargé, donc celui qui me semblait, je pense, le plus on va dire fiable et qui, à mon avis, promettait des choses. J'ai pas du tout regardé l'histoire ni rien et tout. Donc bon, s'il y en a qui m'ont déjà vu jouer à Amnesia, vous savez que je vais galérer. Donc on va essayer de faire, je sais pas du tout combien de temps ça dure, je sais pas du tout si on arrivera à faire tout en cette joyeuse soirée. Bien sûr, bonjour à vous sur YouTube. YouTube, je ne couperai pas la vidéo, c'est-à-dire que ça sera en intégralité du début jusqu'à la fin, parce que j'estime que c'est pas cool de faire des épisodes pour ce genre de truc. Comme ça vous permet de voir et de bien sûr de participer à ce live intense. Alors, j'espère que je vais pouvoir jouer jusqu'à 23h, que ça va pas bugger ni rien. Je vous avoue que j'ai un peu peur des modes, des aventures modées, pardon. J'ai eu pas mal de retours comme quoi des fois ça buguait, des fois ça coupait net et tout. Donc, à la limite, c'est pas très très long de télécharger des histoires, enfin des trucs custom. Donc, à la limite, on ira en télécharger un autre, etc. etc. Voilà. Je repousse le moment de commencer. Faut savoir que je suis très très réactif aux jeux d'horreur. J'ai pas très facilement peur, mais disons que je suis très très pris par l'ambiance. Et Amnesia est un jeu qui regorge d'une ambiance assez intense. Mais on va bien s'amuser, je sens. Je me suis mis un petit onglet avec des photos Google de chats mignons. Voilà. Attendez, je vais vous montrer. Comme ça, et bah ça me permet de. Voilà, vous voyez, je me suis mis un petit truc comme ça là avec plein plein de chats mignons. Comme ça, si jamais j'ai peur un moment, et bah je regarderai les chats mignons et ça irait vachement mieux. D'accord? Ok, on fait ça. Allez! Hop là. Bienvenue à vous. Alors, oui, évidemment, j'ai baissé les lumières, etc. Ça coupe. Ah! Alors normalement le live est j'ai réoptimisé le live parce que les gens me disaient que ça coupait, etc. Alors j'ai tout réoptimisé pour normalement les petites connexions, etc. Donc normalement ça va. Après, sauf si vous avez vraiment une très mauvaise connexion, bah là du coup je peux rien pour vous, je suis désolé. Parce que du coup le problème c'est que on n'a pas encore le choix de la qualité sur Twitch, donc c'est un peu compliqué à ce niveau-là. On t'a jamais dit que les chats étaient les envoyés de l'enfer. Mais dis pas ça, t'es fou quoi. Arrête. Alors, le jeu veut pas se lancer déjà, ça c'est bien. Enfin si, vous savez que Amnesia est un jeu qui est assez. Enfin, je trouve que c'est un jeu qui est assez lourd en fait. C'est bizarre à dire comme ça, mais. Ah, ça fait très longtemps que j'ai pas joué, que j'ai pas lancé ce jeu, à part pour faire les tests tout à l'heure. Donc alors, on fait. Comment on fait? Personnaliser les histoires, c'est ça. Donc voilà, j'ai pris l'histoire qui s'appelle Followed by Death. Donc chapter 1, il y a deux chapitres. Je crois que, d'après ce que j'ai vu, je crois que PewDiePie l'a fait. Donc c'est pour ça que ça m'a conforté dans l'idée que c'était sans doute un bon truc. Alors je vais juste augmenter le son. Parce qu'évidemment, il va falloir du son. Un petit peu trop fort. Je suis désolé, j'ai pas fait ces réglages avant. Vous savez, je les fais jamais avant les réglages. Allez, encore un tout petit peu. Et ce sera bon. Allez! Donc évidemment il y a une histoire, etc. Après tout est en anglais, donc je vous avoue que même si j'ai aucune difficulté avec l'anglais, j'ai pas énormément envie de tout traduire. Donc on va juste commencer. Je pense que de toute façon il y aura un petit truc au départ. Perso, je connais pas du tout Amnesia, je sais même pas à quoi ça ressemble. Et bah tant mieux pour toi, écoute. Comme ça tu vas vite comprendre à quoi ça ressemble. On 27th of February 1813, I was a farmer in Hastings. My wife and I lived in this nice farmhouse we had in the woods of the large forest near our farmland. During this one night, I woke up to the sound of my wife crying. It took me a little time to realize the voices I heard were not from the nightmares I had, that it was from downstairs I heard her crying. Oh no. I went there to take a look.
Donc là, il vient de raconter que c'était un fermier et que, en gros, il vivait avec sa femme et que il faisait pas mal de cauchemars et qu'un jour, il a entendu sa femme qui criait, pardon, criait, qui pleurait et qu'il se rendait compte que ça venait pas de ses rêves, mais bien en bas des escaliers. Donc il est allé voir. Donc le jeu a l'air vraiment de nous mettre en plein dans l'action. Alors dites-moi pour le son, hein, très important. Vous ayez un bon son. Alors je suis très, j'ai très peur de jouer à ce jeu, mais je suis tellement, tellement heureux de vous proposer du Amnesia. Oh, il y a le tueur. Il faut que je me cache. Oh putain. Donc elle s'est fait tuer apparemment et il y avait un mec, il y avait une ombre. Je sais pas si vous l'avez vu, mais je pense que vous l'avez vu. Il y avait une ombre qui s'approchait. Attends, on se met dans le nord. Ok, donc il dit qu'il a couru, il avait peur. Donc là, lorsqu'on est dans le noir. Là, il dit que sa vie sera plus jamais la même, évidemment, parce qu'il a vu. Alors, du coup, là, voilà, les conseils en haut disent qu'il faut rester dans la lumière. I heard stories of its legendary fairy tales, about its ancient cult, and its death-defying way they treat unwelcome guests. I never had to think of its foggy art that I would spend the worst times of my life in its frightening and terrifying dungeon areas. This is how it all started. Y'a du heavy metal! C'est Chervian! OMG! Ah, ça me rassure tellement là, je suis tellement rassuré, c'est bon, tout va bien. Il y a de la bonne musique, tout va bien. Non, ça va pas durer à mon avis. Hein. Je vais attendre que à mon avis, il y aura une prochaine boîte de dialogue, je vais attendre que ça passe. Pour continuer ma phrase de tout à l'heure, j'ai coupé. Je déteste être coupé par le jeu. C'est très mal poli, Amnesia, de faire ça. Later in that same day, I woke up in a warm and comforting place. I apparently had passed En fait, c'est du out brutal and didn't remember a thing. Yes. Someone had dragged me in here. From the looks of the place, my best guess was that I was inside the castle. I still didn't quite understand what was the meaning of that monster that attacked me earlier on the same day. Now was the time to find answers. Ok, donc il vient de dire qu'il s'était réveillé donc dans le lit là et que il savait pas qui l'avait enfermé, mais il espérait être dans le château. Qu'on a vu au début. Après, il a dit que du coup, il espérait aussi que la créature qui le suivait ne le suivait plus, tout simplement. Voilà. Donc, alors, pour présenter rapidement Amnesia, donc Amnesia est un jeu, on va dire d'ambiance horreur, où vous êtes absolument, c'est un des premiers, je crois, un des premiers survival, enfin appelé comme ça, c'est-à-dire que vous n'avez aucun moyen de vous défendre, c'est-à-dire que vous n'avez pas d'armes, vous n'avez rien, c'est-à-dire que les monstres sont à éviter total parce que si vous trouvez des monstres, ils vous tuent direct. Et c'est en ça que le jeu a sa plus grande force, c'est-à-dire que vous êtes humain et vous n'avez aucune défense. Donc votre meilleur moyen d'avancer dans le jeu et de vous défendre, c'est de courir. Sachant que vous ne pouvez pas courir. Enfin, pas beaucoup. Et la seule source de lumière que vous avez, c'est bien sûr la lanterne que je n'ai pas encore. Et les boîtes d'amadou que je ramasse servent à. Je crois que ça sert à. Alors. Les boîtes d'amadou sont utilisées pour allumer les bougies. Voilà, c'est ça. Donc voilà, vous avez des bougies de temps en temps que vous pouvez allumer avec des boîtes d'amadou. Donc une boîte allume une bougie. Vous n'êtes pas obligé de les allumer toutes les bougies, évidemment. Donc ça, c'est des notes sur l'histoire. Je vous avoue que la première fois que j'ai eu Amnesia, j'ai pas lu du tout toutes les notes. Et pourtant, ça ne m'a pas du tout entravé dans l'histoire. Donc je vais pas vraiment lire les notes non plus. Je vais commencer à le faire au départ. Donc là, il y a un petit tuto du jeu. Donc c'est très simple. Vous pouvez manipuler les objets à chaque fois qu'il y a votre main qui se met dessus. Donc pousser des portes, pousser des petits cailloux, etc. Du coup, oui, je voulais vous dire au départ. Donc je vais finir ma phrase. Je suis super content de vous proposer du Amnesia. Puisque lorsque j'avais commencé donc The Dark Descent, donc j'avais fait toute l'histoire de The Dark Descent sur ce jeu. C'était avant que je sois sur DigiWave, c'était même au tout départ que je streamais.
J'avais une qualité dégueulasse et tout, et du coup, je l'avais pas record. Et je vous avoue que c'est quelque chose qui m'a beaucoup frustré à l'époque. Enfin, à l'époque, c'était il y a pas si longtemps que ça, mais je suis très 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 content de pouvoir enfin y rejouer, même si ça me terrifie totalement. C'est une CS, tu n'es pas obligé d'avoir la lanterne. Ah, d'accord, dans les custom stories, on n'est pas obligé d'avoir la lanterne. Ça, je ne savais pas. Alors, oui, du coup, ce n'est pas le jeu, ce n'est pas Amnesia The Dark Descent, hein. Enfin, c'est le jeu, mais c'est une custom story, donc une histoire faite de toutes pièces par des gens qui sont proposés dans le jeu. Amnesia, c'est un petit peu le Minecraft de la peur, si vous voulez. Le jeu a été développé et ensuite les développeurs ont dit bah amusez-vous avec le jeu, on vous donne toutes les ressources et faites des cartes. Et il y en a qui se sont très très bien sortis. Alors, un seigneur de maître, faut l'ambition, blablabla, David, machin. Okay. Alors, vous pouvez faire des trucs très drôles, genre ça. Ça n'a aucun intérêt, hein. Mais ça permet de. Voilà, je sais pas, moi ça me détend. Alors, essayons d'avancer un petit peu. Donc, pour l'instant, pas vraiment d'objectif, à part essayer de comprendre un peu où on est, etc. Mais je n'ai pas de lanterne. Alors, ah oui, aussi, vous n'avez pas de. Alors je sais plus comment on fait, voilà, vous n'avez pas de vie dans ce jeu par contre. On va faire un petit tour sur l'interface pour montrer. Donc là il y a les boîtes d'Amadou dont je vous parlais tout à l'heure, donc j'en ai 3. Ici c'est la réserve d'huile pour ma lanterne, donc je n'ai pas de lanterne. Mon journal, ça sert à mettre toutes les notes que je ramasse et aussi également des notes personnelles pour savoir ce que je dois faire. Donc ça se met dans les mêmes entos je crois, voilà. Donc là il n'y en a pas parce que j'ai pas d'objectif. L'équilibre mental, c'est en gros, si vous êtes trop dans le noir ou que des monstres s'approchent ou qu'il y a des bruits, votre personnage va s'affoler. Son équilibre mental va s'affoler et du coup, votre vision va être complètement. Ça va bouger de partout, etc. Du coup, c'est très 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 perturbant. Et la santé, bah, c'est la santé. Même si dans le jeu, si un monstre vous chope, vous êtes mort. Hein. C'est du one shot, c'est bye bye, t'as aucun moyen de te sauver. Hein. Alors le jeu est en anglais évidemment puisque c'est une custom story pardon, une custom story. Oula. Là vous voyez par exemple je flippe, vous voyez. Donc si je fais tab, équipe mental clair dans le range. Ok, bon bah, en fait non je flippe pas. Alors moi je pense que y a... doit quand même y avoir une lanterne non. Oh ouais c'est même pas c'est là une chaîne storage. Alors là ils disent que la clé est dans la storage room. Here in the quarter area. Donc il faut que, si je veux aller au cellar, il faut que je trouve la clé qui est dans la storage room qui est par là. Donc on va essayer de trouver la storage room. Je pense que si j'avais découvert Amnesia par moi-même, j'aurais bien plus apprécié le jeu. Moi Amnesia, je l'ai connu. Oh, la porte se voit toute seule. Ok. On y va. Amnesia, je l'ai connu grâce à PewDiePie il y a assez longtemps maintenant, il y a presque 3 ans. C'est un peu grâce à ça qu'il a été connu d'ailleurs, je pense. En plus de Happy Wheels. Mais j'y avais joué un petit peu, mais comme vous allez voir, j'ai tendance à flipper assez rapidement. Et du coup, bah, j'avais jamais joué tout seul et il n'y a que en stream en fait que j'arrive à jouer. Parce que vous me rassurez beaucoup. Donc restez avec moi. Et s'il y a personne sur le live, je penserai à YouTube très fort. L'araignée le père, ça tissait sa toile en bas du stream. Ouais, j'ai essayé de faire un petit habillage un peu sympa. C'est ce que j'avais fait pour. Lorsque je faisais mes lives à l'époque. J'avais fait un petit overlay avec des toiles d'araignée, donc je me suis dit que j'allais reprendre la même chose. C'est sympa. C'est un petit côté. J'ai toujours ma banque de photos de chats mignons, au cas où. Ah là, on est derrière la porte de tout à l'heure, je crois. Donc c'est pas mal. Alors par contre, oui, Amnesia est un jeu qui... C'est soit vous aimez pas, parce que c'est beaucoup de l'exploration. Des fois, il y a des puzzles, etc. Et du coup, c'est vrai que pour certains qui arrivent pas à se prendre à l'ambiance, ça peut paraître très très chiant. Mais il faut juste dire que c'est juste une ambiance à instaurer. Creeperman qui me dit que j'aurais pu faire le ménage sur mon stream, c'est vrai.
Moi, on me l'avait conseillé comme étant le meilleur jeu d'horreur et tout. Je lui attends trop de jeux. Bah, c'est ce que je viens de dire en fait. C'est un peu comme les films d'horreur de maintenant, si tu veux. Mais. Oh putain, vous l'avez vu? Donc là, vous vous barrez. Vous fermez les portes. Oh, you won't open anymore. Je suis dans la merde. C'est le seul moyen que j'ai de me cacher là. Oh putain merde, il est où? C'est bon. Ok. Fermez-la. Chut. Chut. Dites rien. Je sais pas quand il va partir. Est-ce que j'ouvre ou pas? Pour voir. Je peux pas rester là éternellement. Oh putain. Ouais, par exemple, c'est parce que je connais le jeu que j'ai eu le bon réflexe. Je savais que la seule manière de se cacher, c'est dans les trucs comme ça. Qu'est-ce que je fais? J'y vais? Je sais pas du tout s'il est reparti ou... J'ai pas de lanterne, c'est horrible. Par exemple, Outlast, j'ai... En plus, sans savoir, j'ai pas... Ouais, mais moi, c'est en fait, c'est... Je vais reprendre là où j'ai arrêté tout à l'heure, mais... Je vais pas repartir dans l'éternel débat de... Qu'est-ce qui fait un bon film d'horreur, qu'est-ce qui fait un bon jeu d'horreur, parce que ça reste... Ça reste assez personnel. Mais moi, je n'aime pas trop... Je n'aime pas trop la mode actuelle qui a tendance un peu à s'estomper, mais de dire qu'un jeu ou un film d'horreur c'est uniquement des jumpscares, etc. Alors qu'une bonne ambiance et quelques moments de peur bien ponctués peuvent faire un truc vraiment vraiment ouf. Putain, faut que j'aille par là. Cool, un plugin pour Amnesia qui relie le jeu à ton micro et qui attire les monstres si tu parles trop fort. Bah, j'ai la clé, non? Ah oui, c'est vrai. Ah oui, c'est vrai. Dans ce jeu, vous êtes obligé d'utiliser des objets comme ça. Ouais, ça sera sympa. Je pense que ça m'étonne que des jeux le proposent pas déjà. Je pense qu'il y a des jeux qui doivent le proposer. Mais après très clairement, quand tu joues à un jeu vidéo quand t'es tout seul. Là je parle parce que je suis en stream, mais quand t'es tout seul tu parles pas, donc je veux dire, ce plugin là il servirait justement pour attirer les trucs. Et pas pour ne pas les attirer. Ah ouais, alors des fois... Il s'est évanoui, je crois. Ok, il s'est clairement évanoui. Tu peux te calmer, regarder le plafond là. Mais je suis où là? Alors, c'est un jeu aussi qui. I have cried so many times, I used to hate our little group, including myself for so long time. But now I have become numb for the inside and I don't care anymore. Ok. Il aime pas les jumpscares parce que ça a trop d'effet pour lui. Bah évidemment que ça a de l'effet, c'est le principe du truc. Mais provoquer la peur pour provoquer la peur, je trouve pas ça très intéressant. C'est juste prendre le spectateur pour un con en fait. Pourquoi? Eh, sérieusement. Je sais pas. Alors par contre, je rate stream à 23h. Je sais pas si je tiendrai jusqu'à 23h. Je vous le dis très clairement. Ah, voilà la lanterne. Je vous le dis très clairement. 3 heures de live sur Amnesia, ça va être chaud.
quoi FNAF? FNAF. Je sais pas ce que c'est. Enfin, je dois savoir, mais le nom comme ça, FNAF, ne dit rien du tout. Alors là, il faut que j'économise mon huile. Vous voyez? Là, j'ai quasiment plus d'huile. C'est-à-dire que là, en fait, je peux faire de la lumière pour justement que mon personnage se calme. Et aussi pour que j'y voie un peu quelque chose. Et surtout, s'il y a un monstre, on éteint tout, hein. Parce que les monstres sont bien sûr attirés par la lumière. Oula. Oh, sa mère! Oh putain. Alors là, vous voyez, en fait, de temps en temps, votre perso a des espèces d'hallucinations cheloues. Et il se passe des trucs, et ça par exemple c'est un truc, si vous marchez dessus vous perdez de la vie. Il faut faire demi-tour. Ah, Five Nights at Freddy's, ah oui d'accord. Oh mince, je suis obligé d'y aller. Ok, donc je suis obligé d'y aller. Le jeu qui a tué son Black. Moi j'ai pas trop suivi le truc derrière ce jeu en fait. J'ai vu les gens qui y jouaient, j'ai vu quelques vidéos dessus, mais j'ai jamais trouvé ça vraiment intéressant. C'est pareil, il faut que je... Ah si, voilà, ça fait perdre de la vie. Donc il faut un peu se dépêcher. Oui, des fois Amnesia devient un jeu de plateforme, hein. C'est assez marrant, mais ça arrive. Ah, what? D'où je perds de la vie? Oh putain, ok, on se bouge. Je sais pas du tout où j'en suis au niveau de mon huile. Je crois que j'en ai plus vraiment beaucoup. Des cochons! Putain, y'a rien. J'aimerais bien trouver de l'huile en fait. Il faut faire aussi très attention lorsque vous ouvrez des portes ou que vous déplacez des objets dans le jeu, puisque les sons attirent les créatures. Non mais calme-toi avec tes trucs. Alors j'ai ramassé un marteau, très bien. Donc pendant tout le jeu vous allez ramasser des objets qui vont vous servir. Les objets peuvent être combinés entre eux aussi. Par exemple, la porte peut être dégagée. Alors, je ne sais plus si... Je ne sais plus si c'est le cas, mais je pense que vous ne pouvez pas bloquer les portes avec les boîtes ou genre de trucs. Ah, de l'huile. Les monstres arriveront toujours à bouger. Tout ce que vous pouvez bouger, les monstres le peuvent aussi. Hein. On va allumer une lanterne. Enfin, on va allumer ça avec une boîte d'amadou. Je suis revenu au début. Oh, ça. Ah oui, mais du coup je suis revenu là, mais c'est bien parce que j'étais coincé de toute façon. Je sais pas si c'est assez fort et que vous entendez tous les sons qu'il y a à écouter, mais... Je sais pas tout par où il faut que j'aille. Par là, c'est pas par là que je suis allé tout à l'heure. Ou alors, c'est pas le même endroit, peut-être en fait. C'est la même pièce, mais c'est pas le même endroit. C'est bon, il y a des gens qui se perdent. Ouais, il y avait une femme qui rigolait. Vous entendez? Elle est pas à droite. J'ai plus d'huile. J'ai plus d'huile. J'ai plus d'huile. J'ai trop peur de là-bas. Alors, refermez les portes derrière vous, peut-être une bonne idée. Puisque les monstres n'ouvrent pas les portes mais les cassent, du coup ça leur fait perdre du temps. Sauf...
si le monstre est devant vous et que vous devez vous enfuir, vous devez du coup ouvrir la porte. Et ça c'est chaud. Le mec vous ont dit de pète. Oh putain sa mère. Oh. 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 Mais cours, cours, regarde pas derrière, cours, 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 idiot, idiot. Je m'en fous, je m'en fous, je m'en tape, je m'en tape, je m'en tape, je fuis, 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 je fuis. Normalement c'est bon hein. Normalement il ne suit pas hein. Lorsque vous passez une porte comme ça qui est en fait une porte de changement de niveau, les monstres ne peuvent pas te traverser. Est-ce que je suis retourné au début? Je suis clairement retourné au début. Attendez, j'ai pas tout compris. Ah oui mais j'ai le marteau, j'allais dire on a rien récupéré. Mais si on a récupéré le marteau, donc c'est bon. Tu fuis alors vite faut que le mate. T'as trop le mec qui fuit, il prend les caisses, fait. Oh putain. Ah, il faut colmater, genre. Ah ouais, j'avais pas compris la blague, trop marrant, putain, les meilleurs. Keep looking for it. It must be somewhere around here. Donc là, en fait, votre personnage a des visions, on va dire, des espèces de brides du passé. Puisque dans l'histoire originale de Amnesia, c'est bien sûr quelqu'un qui se réveille et qui est... Ah, amnésique. Oui, voilà, c'est ça, évidemment. Tu peux te calmer? Sérieux? Bon. Alors, j'ai eu un nouveau truc dans mon memento, donc on va aller voir tout de suite, puisque les mementos, ça vous permet de savoir. There's a secret path somewhere in the local history room. Donc, il y a un passage secret quelque part. Donc, dans cette pièce, il y a un passage secret. Ok. Déjà, on va essayer de récupérer tout ce qu'on peut récupérer, donc les bottes d'Amadou. Je suis un étoile. Les bois d'Amadou, merde. Le poker a mal tourné. L'huile, voilà exactement. Et souvent, là, le passage secret est là-bas. Vous voyez, c'est très 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 subtil comme passage secret, vraiment incroyable. Putain. Vous allez croire que j'ai. Vous allez croire que j'ai déjà fait le jeu, tu sais. Alors qu'en fait, non. There's no power. Ok, donc là vous voyez, en bas, en fait vous voyez pas, mais en bas à droite du coup j'ai mon memento qui s'allume, qui me dit qu'il y a un nouveau truc. Et là ça va être juste, voilà, donc il faut power is needed to operate the lever, hein. Du coup bah... Du coup il faut que je trouve le moyen de remettre le courant. Alors, you need to have the code to set you up, feed down 14, oui 14. Alors up 5, down 14. Up 5, down 14. Alors je sais pas du tout ce que ça veut dire. Faut que je retrouve des leviers apparemment. Est-ce que j'ai un nouveau truc dans mon memento? Je pense pas. Non. Alors. Notez hein, notez les viewers. Hein. Vous êtes avec moi, vous participez au truc, donc vous notez. Hein. Il va falloir que je remette le courant. Alors, il faut que je trouve. C'est quoi cette plaque? Une plaque en or, c'est super bizarre. Ah non, mais non, c'est le tableau, putain, je trouve con. Ah, ce jeu est un plaisir si vous êtes. Si vous adorez foutre en bordel des éléments. Alors là, vous allez vous éclater. Donc, il faudrait que je trouve la. Ah là, une salle des machines. Alors, up 5 et down 14. Mais il n'y a pas de 14. Maintenant, Amnesia est jouable à la manette. Apparemment, ouais. Mais je vois pas trop l'intérêt parce que bon, c'est un FPS quoi. Up 5 et down 14. Alors là, j'avoue que je suis perdu. Up et down 14. Alors là. Up 5, ça voilà, 5, mais il y a un 5 là aussi. Bon, au pire, on va descendre un par un, et on verra bien. Parce qu'il y en a qu'un à descendre. Je crois qu'il y en a plusieurs, c'est une addition, je sais pas.
Au pire, on va tout descendre, vous savez quoi? Tableau de maître Rembrandt, il faut des millions. J'avoue, au moins si j'arrive à me... Si j'arrive à m'échapper, je serai riche, quoi. J'entendais un putain de truc, mais... Allez, aidez-moi, là! Trouvez la solution, les viewers. C'est très très chiant de remettre au milieu. Voilà, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12. Maintenant, il n'y en a que 12. Du coup, 14, ça veut rien dire, en fait. J'étais là dans ma tête, je me suis dit, alors il faut que j'en monte 5 et j'en descende 14, mais non, c'est de la merde. Ok, donc là, amnésia dans toute sa splendeur. Vous ne pouvez rien comprendre du truc. Et là, ça tue complètement tout le bordel. Déjà, j'arrive pas à les remettre au milieu. C'est là, hein. Je pense très clairement que... Alors, 3 et... 3 et 2 en up. Ouais. Et 5 en haut aussi, non? Pourquoi 3, 4... Ah ouais, ça fait 5. Ah oui, et 14, ça ferait... Ah, mais d'accord. C'était des additions. Putain, je suis trop con, tu as raison. Bravo. Alors là, ça fait 5. Là, ça fait 5. 10, 16. Mais non, mais là, ça fait 16. C'est pas ça. Il faut 14. Donc il faut 6... On va faire... Bah si, regarde, il faut... En fait, il faut... 5 et 5, 10. 14. Là, on a 14. Celui-là, on le laisse au milieu. Et là, on a 5. Et voilà! Putain, une Arva tellement intelligent, quoi. Merci, les viewers. Non, je plaisante. Inverse les 2, 3. Je sais pas si c'est ça qu'il fallait faire, mais... Je pense que... Ok, on va pas rester ici. On va vite se bouger le cul. On va vite se bouger le cul, ok. Ça fait combien de temps que je joue? Ah, il est 23h, fin du live. Incroyable. Là, c'était génial de jouer avec vous, vraiment. Amnésia, super jeu. Quoi? Qu'est-ce qui s'est arrivé? Henry, you look a bit nervous. I've heard stories about this old side of the castle. C'est jour. Well, what kind of stories? Actually, they're more like rumors than stories. A lot of folk have said that no one has entered this place for many years. Oh. And they also say that if you do, you should be afraid. And why is that? Je vous ferai une espèce de traduction après, hein. Donc en gros, en gros, il dit que personne n'a jamais été dans ce château, je crois. Et l'autre, il fait pourquoi? Il dit, si tu es dans le château, tu devrais avoir peur, etc. C'est un peu flippant. Tu devrais tester Outlast, c'est plus calme. Alors, j'ai Outlast. J'ai même hésité à le faire ce soir. Mais je vous avoue que c'est... Tout à l'heure, je parlais justement du genre de jeu que les gens aiment. Je suis pas sûr qu'Outlast me plaise énormément parce que... Je pense que ça va vraiment me faire flipper, mais flipper tout le temps en fait. Et ce sera même pas agréable à regarder. I heard that a long time ago, the castle's old owners used to perform their sacrificial rituals, and after their deaths, a permanent presence of evil has stayed flowing in the air. And so I've heard too. That's why we need to stay together. I'm sure that the four of us can and will remove any obstacles we'll meet along our way to the old castle dungeons. Putain, calme-toi les portes. Bah si, c'est un peu le but. Le but, c'est pas que je meure, hein. Vous voulez pas que je crève en live d'une crise cardiaque, hein. Enfin, je sais que vous voulez, mais c'est parce que vous êtes méchant. Mais je vous assure que le but, c'est pas ça, hein. Non, mais c'est vrai que si je refais une soirée horreur la prochaine fois... Là, je voulais vraiment jouer à Amnésia parce que c'est... C'est un petit peu symbolique. Mais après tout, pourquoi pas, si jamais on joue pas à Amnésia tout le temps ce soir... Pourquoi pas aller sur Outlast après, hein. Je dis pas...
Bah non. Enfin, si je dis non, mais bon. Ah, je vais tester un truc. Voilà. Vous voyez, c'est ça qu'il fallait faire. Ça paraît complètement débile dans un jeu comme Amnesia de faire ça. Mais c'était bien ce qu'il fallait faire. C'est très drôle, ça. C'est en ça que ce jeu est assez intéressant, en fait. Parce que des fois, t'as des actions à faire, tu te dis merde, mais... C'est pas ça, quoi. I never wanted to this to happen. None of us did. It was not our intention. We just wanted to earn the power to help those in need of help. Donc on voulait pas que ça se passe comme ça, personne ne le voulait. Ce n'était pas notre intention, on voulait juste que... avoir le pouvoir d'aider les autres qui étaient dans le besoin. Tu veux commencer avec la CS, faudrait que tu la termines, quitte à refaire des lives d'horreur. Merde! Je suis baisé. Ok, d'accord. Oh, non, pas ça! Oh, pas ça, non, pas ça, please, 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 pas ça. Oh non, pas ça. Vous voyez ça? C'est un truc qui est dans l'eau, qui est invisible et qui vous défonce lorsque vous êtes dans l'eau. Le problème, c'est que là, je suis déjà baisé parce que le seul moyen d'éviter ça, c'est de poser des caisses et de marcher sur les caisses. Sauf que là, je suis complètement baisé. Ou alors, le deuxième moyen, c'est de lui balancer de la nourriture, c'est-à-dire des restes humains qui est un petit peu. Je suis mort, je sais. Je vais essayer de rusher. Alors je déteste ces moments là. Ces moments là me font stresser un truc de ouf. This part is tricky. Yeah, it's kind of tricky. I hate this part. Oui. Les portes. Alors à droite ou à gauche? Ah non! Ah putain, je suis trop con. J'ai été gourmand, je voulais récupérer l'huile, mais j'ai été trop gourmand et du coup je me suis fait attraper. Ok, c'est par où? C'est par là-bas. On va rusher. Ah non! Ah non! Ah! Oh putain. Wow. C'est un genre de jeu que j'apprécie beaucoup pour son ambiance. Ah oui, mais là je suis d'accord avec toi. Hein. C'est marrant, j'ai l'impression qu'il va vachement plus vite que dans le jeu original. Enfin, il saute vraiment bien et tout, c'est vraiment bizarre. Alors ça, c'est justement une potion. Je vais utiliser tout de suite. Enfin, j'ai pas de nourriture à lui jeter. Ou... Mais je sais pas du tout où faut que j'aille. Là. C'est bon. Oh non, il faut que je ramène un truc. Ça. Ça ne veut pas. Ça. Oh, attends. Comment je fais? Il faut que je récupère un... I think you need to like throw something and draw the dude trying to kill you. Ah. Ah ouais, mais il faut... I need food for that. Like human parts. Or something like that. Je crois que je vais aller chercher les tonneaux. Mais ouais, en fait, c'est ce qu'il dit, il faut que je lui lance des trucs, mais il faut que je lui lance des... Bah pourquoi? Ok. Ah ok. Oh! Ah oui, effectivement. Il est sur moi. Oh, c'était super chaud ce que je viens de faire. Alors.
c'est bon. Ah, c'est bon. Non, 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 tombe pas, toi, tombe pas. Ok. Ouh. Il devrait faire la canalisation. J'avoue, il devrait faire la canalisation. Thanks, man. Well done, thank you. Attends, on voit vraiment rien. Non, 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 non. Bah, ma lanterne. Ah, j'ai plus d'huile. C'est bon. Attends. C'est quoi ce bordel? Ah, j'ai plus le marteau! What? J'ai plus le marteau! Ah! Alors là, Nania, sœur. Non, en fait, faut que le monstre la défonce la porte. Mais je sais pas comment l'a tiré en fait. Faut que le monstre défonce la porte et que moi je me cache là-dedans. Coucou! Coucou! Viens défoncer la porte! Alors, est-ce que si je me cache, il vient ou pas? Vous entendez le truc qui gratte? Ah, est-ce qu'il faut que j'aille en face? Ah oui, c'est derrière là-bas, ok, donc faut que j'aille là, je pense. Ouais, c'est ça. Faut juste que je fasse attention, il faut que j'aille à droite, je pense. Allez, on y va, on essaye. Ouch. Holy shit! Air the ladder falling down at the other side of the wall. Why not? Ah. Ah mais d'accord, je l'ai attiré en fait. Ah! Je sais pas où il est, 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 je sais pas où il est. Je m'en fous, je rush, je rush. J'ai fait un tour! Il était là, il était juste derrière. En fait, je pense qu'il faut que je rentre dans le. Faut que je rentre dans le truc. Ok. Putain, c'est compliqué. Je suis où là? L'échec est réel. Un livre, un livre, un livre, un livre. Va chercher le livre. Ah, j'ai utilisé le seul livre que j'avais. Ok, est-ce qu'on tente le rush? Ça passe. I'm in trouble just watching you play. That's the point. Bye! Creepy creature. Creature. Hein? Bon. Creepy creature. As I climbed these ladders for a really long time, I began to realize what kind of mess I'd been thrown into. I had to press onwards in order to find out what had happened in this castle and its people, but most importantly, what was after me. Les étrangers ne te respectent pas. Oh. Quoi? C'est fini?
Quoi? C'est fini? Mais non! Mais c'est fini! Arrête! Fin? Bon bah go télécharger la deuxième partie les enfants. Ok, go télécharger la deuxième partie. No finish. Ah bon? Chapter 1. Oui mais c'est juste le premier chapitre. Oh, attendez. Attendez, comment il s'appelle? Followed by Death. J'ai pas téléchargé la deuxième partie, moi je pensais que ça durait super longtemps. Je télécharge la deuxième partie, comme ça on fait ça tout de suite, ok? C'est pas très long. Partout. Il y a trois parties? Ah non, ça c'est une vidéo YouTube. Alors je suis désolé, je suis vraiment désolé, je pensais vraiment que ça allait durer plus longtemps en fait, je me suis pas du tout renseigné du coup, bah voilà. Non mais vous inquiétez pas, hein, j'ai la deuxième partie, elle est là. Voilà, j'ai la deuxième partie, je la télécharge. Donc, je vais devoir, je pense, quitter le jeu et le relancer. Le temps que ça télécharge, c'est pas très très compliqué à faire, hein, faut juste aller dans les propriétés du jeu. Parcourir, petit message tranquille. Hop, ça télécharge. J'ai juste à dézipper le truc dans le custom story et c'est bon, donc je le fais. Heureusement, j'ai une bonne question. Je suis désolé, hein. Ça fait vraiment une coupure un peu bizarre, mais... Hop, chapter 2. Ah, Yala. Voilà. Zou. Et c'est bon. Allez, hop, on y va. C'est reparti. C'est reparti, je lance le jeu. Je ferme ça, je retourne le chat, et on est reparti. Et on va voir ce chapitre 2. Ouh. Ok, bah très bien, bah franchement c'est bien. Vous savez quoi, en fait je préfère que ce soit court comme ça. Si la deuxième partie est aussi courte, c'est cool, c'est bien aussi. Changer une partie. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Ah non, mais ça c'est les parties sauvegardées. Chapter 2, go, c'est parti. C'est parti. Hop là. Et on y va. On continue, il reste Outlast. Non mais. Si cette partie est aussi longue que la deuxième, ça va me prendre une quarantaine de minutes. Donc je laisse le live record hein, pour YouTube évidemment. Je l'ai dit au début du live, vous avez tout. Pour une fois, je vous laisse tout. Salut Splir. Bonjour à toi, bienvenue. Heureusement que t'es là, enfin. On va commencer la deuxième partie de l'histoire. Un peu en retard, c'est pas grave. Bah tu as loupé la première partie de la custom story que j'ai téléchargée qui s'appelle Followed by Death. Du coup là on commence la deuxième partie. Et ça risque de commencer mais... La partie A était plutôt courte ou alors il est plutôt trop doué. Je pense qu'elle était assez courte. Mais la musique est trop bien. Le jeu peut se calmer. I should run. Ouais, carrément, ouais. Oh, mais d'accord, le truc ne se fait plus, quoi. Oh, what the hell? Fuyez, pauvre fou. Oh, le jeu plaisante zéro, quoi. Y a pas d'intro, y a rien, quoi. C'est tu niques et tu joues. Non! Bienvenue à toi, je sais pas qui. Bienvenue sur Digio Télévision. Bah Splir, incroyable. Fallait bien que t'arrives un jour. Bienvenue à toi Splir. Splir est un de mes premiers viewers. Et lui a connu l'époque amnésia dégueulasse.
avant que je sois sur DigiWave, quand j'avais une collection absolument immonde. Le style de musique ne va pas trop avec l'univers du jeu. Ah, pas du tout. La musique d'intro ne va pas du tout avec le jeu, mais qu'est-ce que ça fait du bien entre nous. La bande son du jeu est horriblement géniale quand même, j'avoue. Il a pas cherché à comprendre, il a rushé toute la première partie. Ah, moi j'ai cool. Oh, vous savez que les échelles. Attention, lorsque vous êtes dans le noir, triquez. Ouais, ok, ça c'est pareil. C'était la seule musique libre de droit. D'ailleurs, du coup, je sais pas si vous avez vu la vidéo sur ce Brutal Legend et que vous avez vu à quel point j'ai subtilement pu tromper le bot de YouTube. Waouh! Là, vous dites, waouh, Nerva, comment tu peux faire pour trouver toutes ces idées incroyables? Mais en fait, c'est simple, Billy, je suis intelligent. Ah, d'accord. Bon, petite note. Donc, ceux qui veulent lire, vous lisez, hein. I want to maintain my authority, but it is becoming more difficult every moment. My servants, David, William, and Henry, still do my bidding, but no longer seem very eager to follow my orders. They are not rebelling against me outright, but it almost feels like a seed of mutiny has been planted among them. Okay. But it doesn't matter, for I'm willing to sacrifice anything and go to any lengths to gain the power of the Great Curse. I must admit that I'm a very lucky man to have come across this book. Found some years ago, I had arranged a meeting with a man who had told me about some very interesting things, books and tomes concerning topics that people dare only whisper about, things that frighten many, but could be very useful for an influential man like myself. Such a man would find those books very valuable indeed. Tu fais comme sur YouTube, tu mets sur pause. Mettez sur pause le live, c'est bon. Les échelles. Tu sais que dans la vraie vie, j'ai une peur bleue des échelles. Je déteste monter sur des échelles. En fait, j'ai une phobie. J'ai une très très grande peur de l'instabilité. C'est-à-dire que je n'ai pas le vertige, mais j'ai peur des endroits instables. Par exemple, un avion, je peux pas. J'ai vraiment peur de l'avion parce que c'est instable, pas parce que c'est haut. Pareil, les échelles. C'est pour moi, c'est un vrai défi. J'avoue que cette peur s'est déclenchée un peu comme ça à la Zub dans ma vie. Genre tout allait bien, et puis un jour j'ai pris l'avion, puis j'ai paniqué. Et j'ai fait genre what? The hallway I've collapsed, I need to go around. Donc là ils disent que la. Le machin là c'est effondré et que du coup. Je dois trouver un autre chemin. Tu es instable. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi ça? Ok. Tu es instablephobe, j'avoue. Moi c'est la hauteur qui me dérange. Heureusement que t'as pas ma côte, t'aurais tellement eu peur que tu mettrais le feu à ton PC. Donc tu fumes pas. Quoi? Qu'est-ce qu'on racontait? Un truc au-dessus. On va esquiver le truc tranquillement, calmement. Tout va bien. C'est une chaise. Je vais dans tout. Allez, on y va. Un fou. Eh, calme-toi le vent. Merci. Vous saviez pas, j'ai la puissance des éléments. The books arrived in a nondescript chest. I anxiously opened the container, but I was quickly disappointed by the contents of it. I read some of the texts, and they were plain, bland, and useless. It felt like there was one book passé. That caught my eye as soon as I saw it. Bon bref, oui, oui. J'ai vraiment pas envie de traduire. Je trouve feignant. Alors, est-ce que je me rappelle plus, on peut péter des trucs genre. Oui! Ah, c'est tellement jouissif. On va prendre Jésus avec nous. Ah, c'est une Bible. Ah, nickel. Bon, on va prendre une Bible avec nous. Je vais essayer de la mettre droit pour qu'on voit bien que c'est une Bible. Hop. Ok.
Retourne-toi. Jésus, retourne-toi. Non, pas inversé. Inversé, c'est mal. C'est le Satan mal. Retourne-toi, la Bible. La Bible, retourne-toi. Putain, j'ai besoin de cette Bible. Bible, retourne-toi. Putain, le pire, c'est que je l'avais dans le bon sens. Voilà. Bible. Non. Putain. Ok. En fait, je veux la mettre droit face à moi. Vous voyez ce que je veux dire? Mais bon, c'est pas grave. On va prendre la Bible et on va y aller. J'ai une Bible. Alors calmez-vous. Tu parles le vent couramment. Ouais, j'ai pris LV2 langue. LV2 vent. J'étais au lieu au collège. Oui, j'ai une Bible, hein. Faites pas le con, hein. Je n'hésiterai pas à m'en servir. T'as compris, toi? Tiens, je te purifie. Oh. Oh. Bah, je l'ai trop purifié. J'ai une Bible, hein. Faites pas le con. Il s'acharne sur un livre. C'était pas un livre, c'est la Bible. Est-ce que c'est la porte d'entrée? Est-ce que je suis libre? Est-ce que toutes mes questions vont enfin avoir des réponses? Ok, super, évidemment. Tu veux une Bible, toi? Regardez, je l'ai biflé. Trop marrant. Je l'ai biflé. C'est-à-dire que je l'ai biflé avec une Bible. La Bible, elle est là. C'est bon. Oh. Quand tu décès, t'es coupé par une Bible. Something in this feels really fishy to me. Oh, j'ai pu oublier. Of course it is necessary. Otherwise we wouldn't be here. You shouldn't be so paranoid all the time, William. You said that there's still a long way to go. Anyway. I don't know. My ancestors built this castle a long time ago. Its deepest dungeons have not been seen by a living soul for some time now. Well, I have to say, this castle is really impressive considering that it was built so long ago. Yes, I also find this castle very impressive indeed. Don't you think so too, Henry? Yes, my lord. Good. We need to use the old elevator to reach the lowest levels of this castle. This way. Ok, donc faut que j'utilise l'ancien elevator, l'ascenseur. Pardon. Ok, donc l'ascenseur doit être là, je pense, et je pense que du coup je dois l'actionner avec différents leviers. J'ai plus d'huile dans ma lanterne, donc ça c'est un peu relou. Bon, je vais poser la Bible en attendant, on ira la chercher. Alors attendez, tunnels. Je vais juste aller voir ce qui se passe. Ah oui, chose très marrante, si vous appuyez sur clic droit pendant que vous tenez un objet, vous lancez. C'est amusant. Pas inversé, la Bible, pas inversé. Jamais une Bible inversée, vous savez. Ah, voilà, c'est comme ça que je voulais la tenir. La Sainte Bible, elle vole devant moi. Elle me guide à travers mes pas. Amen. Bref. Je m'excuse à toutes les personnes... croyante qui regarde ce live ou cette vidéo YouTube. J'ai bien sûr un total respect pour la religion, quelle qu'elle soit, et dans n'importe quelle forme. Putain, c'est beau ce que je viens de dire. Une Bible inversée, elle bibe. Ah, j'aime bien ici, c'est bien, c'est accueillant. Non, il y a de la lumière et tout. Non, mais regardez, il fait beau et tout. Je me suis coupé. Une blessure saigne gravement. Merde, j'ai fait une bêtise. Oh, oh. Dieu merci. Et de l'huile. Genre, en fait, j'aurais dû lancer ça à la fenêtre. Ou la Sainte Bible. Mais il n'y a plus de Sainte Bible. Donc on est dans la merde. J'aurais dû faire ça, genre. Wouh. Bah, doucement, vous êtes sérieux là? Je le crois pas. Je crois pas qu'il faille. Oh putain, Yamakasi. Je regarde toujours ce qu'il y a dans les trucs, hein, de temps en temps. Alors qu'est-ce que c'est? Library. Oula, doucement, doucement. Do you really think it's true?
Can we somehow carry out the ritual of the Great Curse? I think with Francis on our side, we'll figure out something. Francis? What's wrong? I don't trust him. It feels like he's not the same man I once knew. Ok, donc là, il y a une porte fermée. On peut ouvrir en trouvant le marteau, évidemment. Après, c'est vrai que... C'est vrai que j'ai dit tout à l'heure que le jeu était assez court, mais en fait c'est assez normal puisque, excusez-moi, hein, plaisir personnel, c'est assez normal puisque faut savoir que c'était vraiment des gens qui ont fait ça de A à Z et ils ont pas ni le budget ni le temps pour faire un jeu complet, mais ça reste très 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 bien. Personnellement, j'ai pas du tout l'impression de jouer à une, custom story. Une custom story, putain, j'ai du mal à le dire. The safe is in the wall is locked. Is my remote switch. Ok. Faut que je trouve un interrupteur. Et le bip, ça veut dire pas avoir. Ah bon? Donc on se torche avec la Bible? Bravo, félicitations. Ok, il faut trouver un levier, les gens. Peut-être derrière là. Un levier, un interrupteur, n'importe quoi. Cette chaise quoi, cette chaise, regarde ce bordel. Ouais, c'est de la décoincer quand même. Je veux faire bugger le jeu. Ah, trop marrant. J'adore. Ouais, très bien. Moi je vais faire les courses. Bah bonne course. Wouh. Ah. Alors, blablabla, Henry, je regarde s'il y a des informations. Okay. Eh oui, mais il n'est pas 21h chez Sam, puisque Sam n'est plus à l'appartement. Elle m'a quitté, non je plaisante. Non, non, elle est juste chez ses parents et ses parents habitent un peu loin, genre en Guadeloupe. Du coup, bah, c'est un peu compliqué de... Voilà. Donc en fait chez Zen il n'est pas 21h. Il est Je sais plus quelle heure il est. Ah mais l'interrupteur est peut-être tout simplement pas dans cette pièce. Donc allons explorer le truc en bas. C'était pas la sainte Bible. Non mais je pense que l'interrupteur est dans cette pièce. Je pense. Je vois mal je le vois mal par exemple dans la pièce en bas. Vous voyez ce que je veux dire? Dans celle tout en bas. Ou alors je l'ai mal vu et... Ok, attendez, vous savez quoi, on va revenir. Ou peut-être qu'elle est là, peut-être qu'il est là l'interrupteur. Tout simplement. C'est ça qu'elle avait l'été, hein. Putain, Griff toujours là. Le mec il est là depuis le début, putain, mais il dit rien. Et il arrive juste pour une connerie. Merci président. Par contre, je peux passer la fenêtre, sous... Merci. Bon, je vais aller voir s'il n'y a pas le levier ailleurs, mais très honnêtement, je pense que... Je pense qu'il était dans la pièce. Mais bon, j'ai pas envie d'essayer de chercher pendant des heures, ça me gavait. J'aime pas trop tourner. Mais moi je suis un vampire. Un vampire. Il fait communiste. Quoi? Qu'est-ce que vous racontez? Viens avec moi toi. Oh non. I need a key, ok. Alors tu vas me dire que tout à l'heure je pouvais casser à main nue, mais alors ça, ça ne brise pas le... Viens ici, tu fais n'importe quoi. Tu fais... Bon bref, ce jeu, n'importe quoi. Donc on cherche l'interrupteur, on cherche une clé, on cherche plein de trucs. Je suis assez détendu là. Là je suis assez bien, là je me dis que mes mémories blablabla. YouTube mettait sur pause. Voilà, on est content. C'était peut-être super important, mais moi j'ai pas lu. Oh, ça fait une... Qu'est-ce que c'est que ça? Flacon chimique. Ah, très bien. Est-ce que c'est ça le levier? Est-ce que une touche va en fait accéder à un mécanisme qui... Non, mais je pense pas que c'est ça. Donc j'ai ramassé un flacon. J'ai aucune idée de ce que je vais en faire. Alors là, je vous avoue...
Alors, on va aller vérifier une dernière fois dans la pièce là-bas si c'est pas par là qu'il faut faire. Casse-toi! Mais putain, mais voilà! On va aller vérifier une dernière fois si c'est pas par là qu'il faut faire, et sinon on descendra. Mais il y a vraiment pas de levier dans le coin, quoi. Ni de levier, ni de... Ah mais c'est pas les communistes, faut pas tout confondre. Ouais. Je suis sûr que le levier est devant mon pif depuis le début, je le vois pas. Je suis sûr qu'il est dans cette pièce d'ailleurs. C'est bien un levier, hein. Remote switch. C'est plus genre une sorte d'interrupteur. Un peu comme un truc on-off, quoi. On va passer le balai, hein. Attends, je vais te le prendre par le bon bout. Voilà! Bonjour, j'ai fait le ménage. J'y profite, hein, de votre château, j'y fais le ménage, d'accord? Eh oui, eh. Donc soyez gentils, les méchants là, de bien vouloir me laisser tranquille. Parce que j'ai fait le ménage. Putain, mais saute! Voilà, merci. Et Yamakasi! Yamakasi! Allez, on y va. On va en bas. Le FDG, c'est un rassemblement de parties de gauche. Le PSF, on fait partie. Mais oui, mon dieu. Ouais, ouais! Et moi, je suis pour la libération des poneys, moi. La Bible. Oh, non, la Bible a disparu parce que la carte s'est refaite. Putain, dégoûté, on s'est fait baiser. Comment on fait maintenant? Sans le pouvoir de la Sainte Bible. Peut-être que l'interrupteur est ici, mais je pense pas. Non. Je vais finir de chercher. Je vais prendre des dégâts de chute. À la Minecraft. Bon, là, je vous dis, je suis détendu parce que la pièce où j'étais était lumineuse, j'aimais bien et tout. Mais vous allez voir que. Voilà quoi, je vais rapidement. Ton dieu t'a abandonné, j'avoue. Tellement. Mon dieu m'a. Genre là, ça plaisante tellement pas. Ok, on se remet dans le truc, les enfants. À gauche, c'est mort, donc c'est forcément tout droit. Est-ce qu'il n'y a pas une boîte d'Amadou quelque part? Oh non! Un Dunlock is broken, il met... Alors, il faut le forcer. Pour le forcer, il faut des objets, genre par exemple des flacons. Non, il faut genre un burin, un marteau ou genre de conneries. Par contre... Ah, il y a un truc dans le manteau. The Slimy Red... Is blocking the path through the tunnels. Ah oui, merci, je le savais ça. Alors, par rapport à cette matière rouge, il est capable, il est possible de la faire. Il est possible de la faire partir en utilisant des acides. Alors, j'essaie tout. Hein. Vous pouvez pas utiliser l'objet de cette façon. Parce que ça me semble être un truc. Non, j'entends plein de bruit par là-bas. Je sais pas si vous entendez aussi. Ah! Vous entendez? Sérieusement? Est-ce que vous entendez? Putain, c'est partout. C'est comme des oiseaux. Je vais essayer de revenir en arrière. Non, ça vient vraiment par là. Hein. C'est très bizarre. Je trouve cette partie vachement moins intuitive que tout à l'heure. La première partie s'est fait super rapidement. On allait d'un point à un autre et tout. Là, on commence à avoir. Bon, j'ai peur, je m'en vais jouer à Kirby en écoutant de la K-pop. Et puis, ça m'a touché. Je dis jamais les amis. Jamais. J'avais peur depuis le début. Ouais, la première partie, il y a eu des moments où j'ai pas mal flippé. Mais en soi, ça va. Je veux dire, le jeu. Oh, Jésus, regardez! C'est ça qu'il nous fallait! Oh. Dieu soit loué. Pourquoi il n'y a pas de stream politique? Je pense que Twitch n'est pas du tout un endroit où faire de la politique. Hein. Alors, pas du tout. Mmh.
Après voilà, c'est une custom story, donc ça fait un petit peu moins peur parce que t'arrives un peu moins de dans l'ambiance que l'histoire originale, mais en soi ça va, ça se passe. Par contre là, du coup, je vais commencer à me faire chier, je sens, parce que j'ai aucune idée de d'où il faut que j'aille. Hein. J'ai le flacon, je sais pas quoi en faire. Y a aucun endroit où je peux le remplir ou. Franchement là je suis perdu. Y a pas de. Attends, je suis allé là. Ouais, je suis allé là. Y'a rien. Y'a rien. Le piano, à mon avis, fait rien. Alors, si y en a qui veulent aller voir la solution sur internet pour essayer de me débloquer, ça serait très très gentil de votre part, je vous le dis. Hein. Je suis vraiment pas du genre à aller chercher des solutions sur internet, mais là. Mais je suis jamais allé là! Ah, mais oui, c'est fermé! Ah, insupportable. Est-ce que la clé serait pas quelque part? Si la clé est là-dedans, je pète un câble. Putain. Génie! Aide-moi! Aide-moi, génie! Bon, ok, super. Si on peut même plus demander de l'aide à droite et à gauche, on est dans la merde. Et là, je suis allé là? Mais oui, je suis allé là. Je crois que c'est fermé. Ah, mais c'est de. Oh, je suis trop con. Putain. Ça a commencé à me gaver cette histoire. La politique, ça part vite en IRL. Alors, sur le net, j'avoue. Quelle idée de... qui est le débile qui a eu cette idée, voyons. Allez, la clé est là. Mais non, mais c'est la même... Putain, je suis retourné dans la même pièce. Mais j'arrête pas de tourner en rond depuis tout à l'heure. Jésus, la sainte. La sainte Bible, Jésus. Ah, Jésus, non. Oh, sa mère, vous avez vu ça qu'on va la voler. Bon, bref. C'était vachement marrant. Bah voilà, je suis libéré du château là. Non? Si, j'ai été libéré du château, c'est bon. Bref. Merde, ça j'ai déjà oublié. Followed by death. Oh, t'es sérieux? Followed by death. Et c'est la partie 2. Watch your step. Non, mais tais-toi! C'est sérieux, j'y suis arrivé plein de fois et là j'arrive plus. C'est quoi ce... Qu'est-ce que c'est que cette sorcellerie là? Voilà. Non mais sérieux, je comprends pas. Je vois vraiment pas. Où est-ce qu'il y a le levier? Où est-ce que... Même une clé quoi. Même la clé de la porte de tout à l'heure, je sais pas où elle est. J'ai vraiment tout fouillé. Alors après c'est vrai que j'ai pas vraiment regardé en détail toutes les étagères, j'avoue. Il y a peut-être de fortes chances que la clé soit cachée entre les livres ou genre du truc. Ça me fait délirer de faire ça. Alors on va regarder toutes les étagères. Non. Il n'y a rien. Là non plus. Alors des fois c'est vrai qu'il y a des livres à activer aussi. Ça arrive. Qu'il y ait certains livres qui soient activables. Et qui justement... justement en fait ça soit ça le fameux interrupteur qu'on cherche depuis tout à l'heure. Ça soit juste un livre à actionner. La clé est là. La clé est ici. La clé est ici. Putain. Après c'est vrai que les interrupteurs livres sont souvent assez bien obvious. Ah. Ah bah non, c'était un putain de troll. GG, vous voyez. Quand je dis c'était assez bien obvious, en fait non, pas du tout. Ah putain, je suis dégoûté, j'étais persuadé d'avoir trouvé là. J'étais en mode, oui, mais en fait non. La littérature, c'est bien. Je suis pas trop bloqué, toi, c'était vachement marrant. Non, bah là, écoutez, franchement, je sais pas. Je peux pas vous dire. Ah. Ah. Eh ben non! Ah! Ah! Eh ben non! Putain! Non mais vous êtes... Ah! Oui! Oui!
oui, je dis oui. Et c'est pas ça. Ça a dû ouvrir quelque chose, mais c'est pas ça. Alors, est-ce qu'il n'y a pas plusieurs livres activés? Alors, je vais regarder le memento. There are some sort of secret mechanism relating to the book in the library. Ok, donc il y a un mécanisme secret avec les books. Ok, super, enfin avec les livres, pardon. A mon avis, il y en a plusieurs à activer. Après, celui-là était assez obvious, hein. Ça se voyait qu'on pouvait le tirer. Alors, ça a bien dû activer quelque chose. Je pense pas que ça ait ouvert la porte tout à l'heure. Par contre, ça n'a rien fait en fait. Je vois pas ce que ça a fait. Mais genre vraiment. C'est compliqué. Ah, mais j'ai pas fait toutes ces étagères. Là. Oh, another fake book. Ah non, mais dis pas que c'est un fake book, tais-toi. C'est un vrai. Allez. Putain. Genre, ça a rien activé, ça? T'es sérieux? Là. The book are pulling back into the original position. Oh, il faut les activer dans un bon ordre. Bon, on va essayer genre celui-là. Alors, le deuxième est là-bas. Il est où l'autre? J'ai oublié déjà, ça y est. Allez, je sais plus. Là. Et le troisième est là-bas, je crois. Ok, on va essayer celui-là. Ensuite, celui-là. Et ensuite, celui-là. Et du coup... Ok, donc si je me trompe pas, il reste... Comme solution, il reste... Celui-là... non, ça c'est ce que j'ai fait en premier. Alors, celui-là. Celui-là-bas. Alors, ça devait être écrit dans la note que je n'ai pas lue. Honte sur moi, honte sur ma famille. Honte sur tout. Oh. Merci Seigneur Jésus de m'avoir guidé. La clé. J'ai tellement peur là, j'ai tellement peur que ça... On va refermer derrière nous. La musique s'est arrêtée. Ce qui n'annonce rien de bon. Elle peut pas m'atteindre. Elle ne peut pas sauter. C'est impossible. Elle ne peut pas m'atteindre. Tu ne peux pas m'atteindre. You can't happen, atteindre moi. Non. Je le sentais venir à des kilomètres celui-là. Bon, je vous présente. Ça c'était Mireille. Hein. Mireille, la femme de ménage du château. J'y retourne ou pas? Regardez, elle est là. Elle est là, putain! Elle est juste à la porte! Comment je suis censé faire? Comment je peux revenir? Comment je fais? Regardez, elle est juste là! Je suis baisé en fait! Elle est partie. Oh. Alors, est-ce qu'il faut que je rush et que j'aille me planquer dans un truc? Elle est juste là. Hein. Je sais pas si vous l'entendez, mais moi je l'entends. Bon, là, Oh putain, il m'a vu, je suis mort. Adieu, monde cruel, je vous aimais bien.
Il m'a vu, il m'a pas vu. Il m'a vu, il est juste, juste là. Tu peux pas faire plus juste là que juste là. Oh putain. J'ai trop peur. Arrêtez. S'il vous plaît. Rush. Rush. Oh. Ok. On va dire que c'est bon. Hein. Par contre, j'ai plus d'huile dans ma lanterne. Oh putain, j'ai carrément plus d'huile dans ma lanterne. Ça va être chaud. Oh non, j'ai fait du bruit. C'est pas moi. C'est pas moi qui ai cassé un truc. Regardez des petits Jean-Bernard. Alors avant de récupérer ça et de faire proc la terreur des sols là. Oh Monique, Mireille Monique. Elle est en train de défoncer la porte. Je fais quoi? Je Alors le pied de biche va me servir à quoi par contre? Qu'est-ce que j'ai à casser avec le pied de biche? Ah le... Je sais. La porte là-bas. Oh, ok. Monique? Monique, tu es là? C'est pas le moment de faire le con toi. On est d'accord que la fenêtre ne dépasse pas ici hein. Elle est pas là, hein. Elle ne peut pas être là. Hein. C'est impossible que Monique soit là, on est d'accord. Hein. Monique? T'es caché, Monique? Monique? Okay. Essayons ça. Ah, oh, ça marche pas. C'est pas ça. Ok, donc j'ai rien à faire ici. Il faut que je retourne en bas. Mais... Qu'est-ce que j'ai à faire en bas avec un pied de biche? C'est ça que je me pose comme question. Parce que... Je sais pas. Est-ce qu'il y avait une porte qui était entrouverte ou... Oh putain, quel idiot. Alors là, mourir comme ça, c'est la pire des choses. Heureusement que... Vous recommencez pas tout au début, j'aimerais vous crever parce que... Putain, une fois où j'ai recommencé comme un nul là... Ça m'aurait mal fait. Ça y est, j'ai eu le moment de stress là. Là c'est vraiment... Ah bah j'ai revenu là. Est-ce que j'ai la pied de biche? Ouais. Là on est vraiment dans Amnésia hein, parce que Amnésia c'est vraiment ça. Être persuadé que quelque chose vous suit. Je rentre dans le haut là. Je crois pas qu'il y avait autre chose dans l'autre pièce. Mais je vois pas à quoi le pied de biche me sert. Holy shit. Je vois pas à quoi le pied de biche me sert. Je vous jure qu'après avoir fait un jeu comme ça, vous kiffez tellement votre soirée après. Vous regardez 3 épisodes de Bisounours et tout, vous êtes trop top. C'est assez marrant parce que quand j'étais plus jeune, j'adorais jouer aux jeux d'horreur, j'y jouais tout le temps tout seul, etc. Maintenant, je ne peux plus. J'ai développé une vraie peur à cause de ça. Et là, je vous jure que pour moi, c'est difficile. Hein. Qu'est-ce que je ferais pas pour vous? Ah, le pied de biche. Nous y voilà. Mireille? Mireille! Je sais où tu te caches. Oh, j'ai plus d'huile. Oh, j'ai plus d'huile et là, ça va être mortel. Y'a pas des trucs à brûler? Là, ça va être très... Très chaud.
Heureusement que j'ai plein de boîtes d'amadou, mais si je trouve pas de l'huile très vite. C'est au-dessus. Il y avait des bruits de pas au-dessus. La porte se referme toute seule. Il n'y a vraiment rien à allumer là. Pas une petite lumière ou. Ah, au moins une bougie. Voilà. Ok, on va vite remplir ça. J'ai de l'acide. Bon, du coup, avoir allumé ça, c'est un gros. Voilà, c'est de la merde. Parce que s'il défonce la porte, il va me trouver, je suis mort. Là, je suis mort là. Là, je peux pas m'en sortir. C'est impossible. Si je m'en sors, soit il est con, soit je suis un putain de PGM. Espérons qu'il soit con. Tu es con! Mireille, tu es con! Non, non, Mireille, tu es con! Je suis mort. Je suis peut-être pas mort en fait. Je suis peut-être boiteux, mais je suis peut-être pas mort. La la la, je sautille, je ne suis pas mort. La la la, on va essayer d'aller directement pour skipper le méchant dans la pièce d'avant. La la la, on a réussi, on est trop fort. Trop bien. De la vie? Eh bien non, évidemment. Je n'ai pas de vie sur moi. Et du coup, là, si on y retourne, normalement, il est pas derrière. Hein. Mais là, en fait, je vais me faire one shot. Mireille, c'est bon? Bon, évidemment, je ne vois plus rien. En plus du fait que je n'ai plus de vie. Alors, j'hésite à me suicider, hein, très clairement. Là, si je marche là-dessus, je suis mort. Oh non, ça n'a pas marché. Alors, s'il faut que je fasse un truc avec l'acide. Normalement, l'acide permet de détruire ça, mais il faut que j'atteigne l'acide. Enfin, il faut que j'atteigne le truc bien. Sans marcher là-dessus. Je vais essayer de ne pas mourir comme un con. Ça a marché. Ça a marché, mais je vais quand même devoir marcher dessus, donc je vais quand même mourir, je pense. Ça passe. C'était chaud, mais ça passe. Ok. J'espère qu'on a bientôt fini. Je sais pas du tout où j'en suis, mais. Là, je commence vraiment à avoir du mal. J'ai plus d'huile pour ma lanterne. Ça commence à puer un peu du cul. Très clairement. Alors, les boîtes d'amadou, c'est bien. Oh, du pain! Et un cochon. Et l'huile, c'est encore mieux. Oh, il y a des bruits partout. Des bruits partout. Je vois rien. Vous n'y voyez rien? Moi non plus, hein, vous inquiétez pas. Je suis obligé d'utiliser toutes mes boîtes d'amadou, mais j'ai vraiment pas le choix. J'entends des trucs partout, des enfants qui pleurent, des. C'est. J'ai une mouche qui vient de me passer devant, une espèce de moucheron là. Voilà, c'est très bizarre. Regardez-moi ça, un cochon. Très, très bien modélisé, incroyable. C'est un cochon, un chien. Ah, c'est un petit cochon, regardez. Bon, bref. Ah, un levier. Alors avant d'activer le levier. Oula. Idée de merde. Grosse idée de merde. On rush, hein. On rush. On perd pas de temps. J'ai vraiment pas de lanterne, j'ai pas de temps à perdre avec ces conneries. Non! Mireille, laisse-moi! Please, Mireille! Please!
Je vais faire le tour. Si je fais le tour, il va pas me voir. Coucou débilos. Salut hein. A plus. A plus en LAN. Oh putain. J'ai brain le jeu. Oui, je suis un génie. Oui, il va touche le feu, tu as raison. Oh putain. Bon, calme-toi, calme-toi, tout va bien. Tout se passe très bien. Je n'ai plus de boîte d'amadou. Ok. On est dans la merde, les gens. Je n'ai plus de boîte d'amadou et je n'ai plus de lanterne. On est très clairement dans ce que j'appellerais une grosse merde sans nom. Je vais avoir besoin cruellement. Je vais laisser ça fermer. Tu vois. Je peux pas descendre. Ah si, je peux descendre. Les échelles ça pue, les échelles ça pue, les échelles ça pue. Là ça va commencer à devenir vraiment compliqué. N'est qu'un mur. Oh ! Dieu soit loué ! Bon par contre j'en ai vraiment pas beaucoup. Oh ! Qu'est-ce que c'est ? Red Fuel Rod. Unlock Gate 2. Ok, bon, ça, d'accord. Calme-toi le mur. Tout de suite. Sinon je te balance des chaises moi. Je suis un ouf. Je suis un bonhomme. Qu'est-ce que tu vas faire? Bon, voilà. Ok, alors là par contre ça pue la merde. Remonter les échelles, ça pue la merde. Parce que vous ne voyez pas ce qu'il y a en face. Donc on va y aller en mode pussy. Hein? C'est bon? Ok. Au clan. On perd. Franchement. What? 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 Oh non, le rouge. C'est ça, get you. Faut bien j'utilise l'objet d'une façon ou d'une autre. Ah, ça. Ah ah. Je vois. Je l'avais même pas vu au début. Ok. Très bien. Trouvons le troisième truc là. En fait je sais pourquoi j'étais persuadé d'avoir plein de boîtes d'amadou parce que j'en ai ramassé énormément dans le premier épisode. Sauf que du coup les deux épisodes ne sont pas liés par des sauvegardes. Vous avez pas les objets quoi. Ça ça pue la merde si on va devoir échapper au machin là. Ok. Bâton. Ok, je suis dans la merde. Oh, il fallait que je mette une caisse. Oh, j'ai pas été intelligent. Il fallait que je mette une caisse pour bloquer. Il n'y a pas un truc à mettre en chaud. Attends. De toute façon, j'avais rien pour bloquer, donc c'était de la merde. Comment je fais là? Attends. Oh putain. Oh, le jeu nous fait le coup de la trappe. Le jeu nous fait le coup de la trappe. Ah, je suis ravi là. Je me suis dit, qu'est-ce qui manque à ton expérience de jeu que le coup de la trappe, Minerva. Je sens qu'il y a un truc qui va popper derrière moi, je vais péter le câble. Tellement peur qu'il y a un truc qui pop. Tout va bien. La la la. J'adore, la vie c'est cool. Y'a plus personne qui parle dans le chat. Nanana. Les viewers m'ont abandonné. Quoi? Ah mais d'accord. Mireille?
Troisième. C'est bon, le jeu fini. Ah putain, ça c'est fini. Ça c'est ouf parce que la douleur dans le jeu, je sais pas pourquoi je la ressens vachement. Alors que non quoi. Pas de sens mais. Viens avec moi toi. Tu vas m'aider. Tu seras mon viewer. Amnesia RP avec une info. Oui. Jésus soit loué. De l'huile. Ah le... L'ascenseur est là. Allez, l'ascenseur est là. Et c'est fini. Ah. Non, c'est pas fini. Merde. Putain de merde de jeu. Please. Laisse-moi en paix. Tout va bien. Oh non, Mireille. Mireille. What the fuck. Oh. Oh putain. J'en peux plus, ça y est. Il est 22h presque, il est 41. Je crois qu'on va clairement passer après une heure à faire un truc plus calme. Pourquoi un viewer alors qu'on est 5? Je sais pas, c'est très bizarre. J'ai aucune idée. J'avoue qu'il y a beaucoup de gens dans le chat, mais il y a très peu de gens qui regardent. Alors souvent c'est l'inverse. Alors si vous avez suivi le live jusque là, enfin la vidéo jusque là, les gens qui regardent sur YouTube, dites-moi si, si c'était une bonne idée de tout faire d'une traite pour vous, ou si vous auriez préféré des épisodes comme d'habitude. Faudrait que vous me disiez parce que c'est important pour moi de savoir. Non par contre les catacombes on se calme, franchement, enfin les prisons catacombes là, c'est vraiment pas ce que j'aime. C'est la partie que je détestais le plus dans The Dark Descent, alors si vous me refaites le coup de ça, je vais juste péter un câble. Alors, Dark Forces, alors, les forces sont, enfin, comment dire, les méchants sont après toi et vont bring sorrow et suffering, donc la souffrance. Et tu dois les éviter à tout prix. C'est pour ça que tu es suivi par la mort. Donc Followed by Death. Le titre de cet épisode. Du coup ça m'a pas dit ce qu'il fallait que je fasse. Normalement ça active des trucs quand tu fais ça, mais là. Non excusez-moi. En fait j'essaie juste de l'activer et de désactiver manuellement. Ce qui s'est désactivé. Non. Ok, il faut que je rush tout droit. Ah non, y'a rien eu. Y'a un même auto. Look like my wife's killer has returned. I need to trade carefully. Ok, donc le tueur de sa femme là. Donc faut que je fasse attention. Alors, je sais pas s'il est à droite. Ou si c'était juste un coup comme ça. Donc là, je suis en mode je rampe. Hein. Ah oui. Maintenant, je peux passer par là. Ok, donc je vais avancer doucement. We are here. What now? Well, now that we are finally here, we need to find the sacrificial chambers that are mentioned in my book.
Hein? Trouver les chambres de sacrifice. What kind of book are you talking about? A book I found many years ago. There's no need for you to know the details about it. All you need to know about this book is that it is the key to our success. Don't worry, William. I've read the book. The information in it will be very useful. Je prends à droite. Donc apparemment on cherche la chambre de sacrifice. Il parle d'un livre. Le personnage ne sait pas ce que c'est. Et l'autre dit qu'il a lu le livre et que du coup bah ça va. Ok, donc là il faut encore que je trouve de l'acide. Est-ce que j'ai encore le flacon? J'ai encore le flacon. Donc pareil que tout à l'heure. Trouver de l'acide. J'espère vraiment que l'épisode n'est pas encore super long parce que je vais vraiment pas pouvoir jouer aussi longtemps. C'est la première fois que je joue Amnesia aussi longtemps. D'habitude je fais des petites sessions d'une heure, ça m'allait très bien. Là je dois avouer que... Vous entendez? J'ai envie d'aller voir. Je suis trop curieux. Oh mon dieu. Alors, j'étais dans cette chambre pour 5 ans, non 5 ans, 5 jours, et j'ai perdu tout espoir que je pourrais me sauver. Tous les autres sont morts, Joseph a quitté le groupe plus tôt, donc il pourrait toujours être en vie mais ailleurs. Il a de l'eau à boire, mais il a rien à manger, et bref, il est mort. Y'a rien? Si, y'a de l'huile. On sait voir site. De l'huile, c'est vraiment ce qu'il me faut. Y'a très 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 peu de réserve d'huile dans ce jeu par contre. Oh putain, je suis dans la merde! Il m'a chopé! Ah putain, la vache, comment il court super vite! Ah, mais je suis pas mort? Calme-toi, ça va bien se passer. Retourne à la lumière un moment. Calme-toi. C'est pas à moi que je parle, hein, c'est au personnage. Hein. Bon, un petit peu à moi aussi, mais c'est pas pareil. Regarde comment elle brille bien cette flamme. Ça va mieux? Allez, on y va. En fait, il m'a foncé dessus et il s'est... Enfin, il s'est... TP ou je sais pas trop quoi. Je sens que ça va partir en couille, cette histoire. Je sais pas du tout où je vais, hein, je vous le dis. Là, il y a de l'acide par terre, donc je vous dis que c'est par là. Mais c'est tellement obvious qu'il va y avoir un truc. Oh là là. Il est juste derrière. Il y a un truc juste derrière. Oh, il est... Oui, derrière moi. Derrière moi. Je l'entendais derrière la porte, moi. En fait, il était tellement derrière moi que du coup, je l'entendais derrière la porte. Je suis sérieux. Oh! Le jeu a considéré que j'avais passé la porte! Le jeu a considéré que j'avais passé la porte. Du coup... Oh non, le jeu, tu crains. Le jeu est un sombre... Le jeu a considéré que j'avais passé la porte. Du coup, moi je l'ai ouverte parce que je pensais que j'étais derrière, mais de l'autre côté. Je suis où là? Je suis où? Ok, j'ai le flacon d'acide de rempli. Mais du coup, je sais pas où je suis. Comment je fais pour rentrer? A locked gate prevents from me from advancing beyond this area. Ok, donc il y a une porte fermée. Ok. Mais du coup, comment je retrouve la... Je sais plus où je suis. Ah, ok, c'était par là. Donc c'est ici.
J'avance à mon rythme, oui. Je suis content que vous soyez revenu parce que je commençais vraiment à flipper. Hein. Enfin. Bon, je dis que je commençais vraiment à flipper, c'est que voilà quoi. Ok, ça c'est fait. Donc là, il y a un monstre qui me poursuit qui est beaucoup plus dangereux parce que très rapide et que c'est impossible de lui échapper. Autant Mireille, elle est un peu conne, autant lui a l'air plus plus coriace. J'ai ramassé 6 yeux. Bouge! Bouge! J'ai trop peur qu'il y ait un truc en fait, mais y'a rien. C'est juste la musique qui pète un câble, mais en fait y'a rien. C'est ça? Ça me disait quoi du coup? D'accord. Il faut que je trouve un marteau. Normalement si t'as un marteau et des ciseaux et un burin, ça passe. Je pense qu'il faut que je retourne en arrière chercher un marteau. Ça se finisse, please. Ah bon, je pense que c'est vraiment pas par là que j'aille. Oh là là. Quoi? Non. D'accord, donc de toute façon fallait pas que je tourne par ici. Oh, faut que j'aille maintenant. Par où faut que j'aille? J'ai rien vu qui pouvait avoir. Enfin, le truc que j'ai récupéré pouvait avoir l'utilité. Non! Oh, please, laisse-moi tranquille, s'il te plaît. Oh non, il a pété la porte. Non, le jeu. Je commence vraiment à en avoir marre là. Allez. Dis-moi que t'as passé ton chemin. Tu as passé ton chemin, le truc là. Tu m'as pas vu. Je suis devant toi, je suis debout, mais tu m'as pas vu. Je suis devant toi, je suis debout, mais tu m'as pas vu, tu m'as pas vu, tu m'as clairement vu. Il va me défoncer, il va me défoncer, il court beaucoup trop vite. Là je vais me retourner pour fermer la porte, il n'y a pas de porte. RIP une pépéronise. RIP une pépéronise. Genre ta façon RP de te déplacer, j'avoue. Je me déplace à la façon de Minecraft. Bon, je dis qu'il se déplaçait vite, mais en fait... Non, Jean-Christophe, non, please, laisse-moi vivre. Fais pas de bruit. Oh, ça m'a fait rire. Vous pouvez pas comprendre. Bref. Bernard? Le jeu. Tu peux arrêter.
sais pas du tout où il faut que j'aille. Est-ce qu'il faut que je retourne là-bas ou... Je vais retourner là-bas. C'est quoi le memento? Ok. Sur les cams, on a l'impression qu'il se penchait la tête sur le sens opposé du perso. Ah ouais, merde! Faut que je fasse genre. Non mais n'aie pas peur, il est parti. Bernard ? J'aimerais que... Ça me ferait grave flipper qu'il y ait quelqu'un mais genre... dans mon appart il me fasse oui. Là je renvoie... Là je quitterai le live, je partirai en courant et... Et j'arrêterai ça pour toujours. Et je pense pas que ça va marcher hein. Je pense qu'il faut vraiment une clé quoi. Ouais, voilà. I have to waken the padlock. Ah! Mais j'ai plus de... Ah, ok, je vais rechercher de la... Je me demande s'il faut pas que j'aille rechercher de la... De l'acide. On va essayer de faire ça. Sachant que la cuve d'acide est inépuisable, je crois. Le seul problème étant bien sûr Bernard... Il commence sacrément à me les briser ce Bernard d'ailleurs. D'ailleurs on va ouvrir ça au cas où. Ok, je pense qu'il y a personne. Ça va le faire. Ça va le faire. Façon RP de se déplacer. J'ai bien fait de voir ça. Non. Ferme. Les portes, ferme-les. En Bolivie. Je sais pas où il est. Je l'entends à ma droite. Mais y'a rien à ma droite, y'a un mur là. Je l'entends là. Donc est-ce qu'il est sur la piste d'à côté? Est-ce qu'il est devant moi? Est-ce qu'il est... Bon. Vous savez, il est temps d'affronter ses peurs. Il est temps de devenir un homme. Il est temps de dire merde à la vie. Et YOLO. À tout. On n'a pas peur de la nuit. Non. Putain, faut que je prenne la tête dans le sens. Mais du coup, c'est pas pratique pour moi en fait. Bernard ? Je t'entends marcher, Bernard. T'es pas à droite ? T'es à gauche, c'est ça ? T'es là ? Bernard ? Ça ne marche pas. Ce n'est pas ce qu'il faut faire. Ah oh, si, Dieu merci. Je commence à péter un câble. Je sens que c'est pas du tout la fin du jeu. Amadou, guide-moi.
Combien il me reste d'huile? Bon, ça va. Oh putain, j'ai eu trop peur. Je me demandais ce que c'était. Bonjour. C'est la poste. J'ai un colis au nom d'un certain Bernard. Ah, il est pas là. Tant mieux. Tant mieux, tant mieux, tant mieux. Tant mieux, tant mieux, tant mieux, tant mieux. Oh, ne contient plus de la moitié. Oh oui. Alors vous savez, quand le jeu est gentil comme ça et... Bernard, j'ai un colis pour vous. Quand le jeu est gentil comme ça avec vous, il vous donne de l'huile. Vous pouvez être sûr qu'après c'est parce qu'il n'y a pas un putain d'iota de lumière. Soyez-en sûr. Amnesia n'est pas gentil avec vous. Amnesia ne sera jamais gentil avec vous. D'ailleurs, aucun jeu vidéo ne sera gentil avec vous. Ça n'existe pas. Les jeux vidéo sont faits pour vous faire souffrir, les enfants. Les développeurs de jeux vidéo sont des sombres connards. Bernard ? Non ? Non, bon. Bon, bon, bon. Il semblerait que Bernard ait trouvé un moyen d'ouvrir la porte. Et oui, cher Mireille, c'est un fameux Bernard. Il a réussi à ouvrir la porte. Ah, la chambre de sacrifice, c'est ce qu'on cherchait. Avance plus vite, hein. Avance, s'il te plaît, avance plus vite. Je sens qu'il va nous débarquer dessus, l'autre gros, là. Eh, hey, une chambre de sacrifice avec des bougies autour. Tout pique, continue. Oh, it's fini. C'est fini. Oh, il y a une suite. Mais on va pas la faire tout de suite. Oh. Oui. C'est fini. Oh, bon, moi je vais la regarder, les chats. Oh. C'était cool. C'était cool. C'était vraiment bien. Ça fait du bien quand c'est fini. Le plus grand plaisir de ces jeux, c'est la fin. Ah bon. Je pense que la soirée horreur va se terminer ici. Les enfants, merci. Enfin, en tout cas pour YouTube, je vais couper le live pour YouTube. Merci YouTube. J'espère que ça n'a pas été très long. Ça a duré 2 heures à peu près. Je pense que ça va être une très grosse vidéo. Je sais pas si je vais la couper ou pas. Je pense que je vais couper les parties 1 et 2. Merci en tout cas sur YouTube d'avoir suivi. Et à plus tard pour de nouvelles aventures.